came to make a name. Got your star and leave it on that pavement. Came to entertain, but what I didn't know is that a stage would be my cage. Cause when you only see your beauty in the applause, you can't love yourself on this silence. Yeah, I wanna see my worth when no one else does. I keep looking and I keep trying, but I feel my Hollywood heart. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est 7h10. Tout le monde dort encore. Moi, je me suis levée, j'ai pris mon eau, comme d'habitude, ma gourde d'eau qui est déjà remplie la veille et je la bois au réveil. J'ai pris ma douche. Là, je profite du son des oiseaux, là, avant que tout le monde se réveille. Et j'ai préparé le petit déjeuner pour moi, pour Alba et pour Mahoni. Aujourd'hui, c'est une journée entre filles. On est toutes les trois. Une femme de 33 ans, une jeune ado de 14 ans et Alba qui a 20 mois. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'on va manger dans la journée. C'est parti! Donc ça c'est pour Alba, donc dedans il y a fromage blanc, banane, graines de chia, fraises, avec un muffin que j'ai fait hier, donc c'est un muffin aux pépites des chocolats, donc je n'en ai mis que la moitié parce que je sais qu'elle ne mangera pas tout. La recette sera en barre d'infos, elle sera sur le blog quand vous verrez cette vidéo. Donc voilà, j'ai préparé hier et c'était très bon, enfin ils sont très bons. Pour ma belle-fille et moi, ce sera donc un muffin chacune aussi avec un green smoothie, donc c'est un smoothie aux épinards avec dedans de la banane, épinards, fruits exotiques, lait d'avoine eau. Et j'attends que tout le monde se réveille pour pouvoir enclencher le blender. En attendant, je vais quand même manger mon muffin parce que j'ai super faim. Il est 7h30, personne n'est encore debout, mais moi j'ai trop la dalle. Donc je vais manger ça en attendant mon smoothie et je vais prendre encore une fois ma gourde d'eau avec moi. T'aimes bien le green smoothie? T'aimes bien ça? Non. Non, t'aimes pas. Et bah alors, on arrête alors. On arrête alors. Tiens. C'est bientôt l'heure de passer à table après 1h30 de marche en pleine nature. Donc comme là on est jeudi et que comme tous les jeudis, bah, y a plus de 1000 prep dans le frigo et qu'on va pas faire les courses avant demain, fin de journée, je fais avec ce qu'il y a à la maison, avec les restes. Donc là il me reste des carottes, un oignon, c'est un petit oignon. Donc j'ai mis les carottes et les oignons directement dans ma poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Je vais laisser revenir tranquillement et je vais faire en fait, tout simplement un riz frit puisqu'il me reste donc du riz. Il me reste un petit peu d'haricots verts, donc je vais les couper en tout petits morceaux parce que Alba n'aime pas spécialement ce légume. Mais quand je les coupe, vous voyez, en petits tronçons comme ça, bah, mélangés dans le riz, etc., bah, ça passe très bien. Et il me reste deux œufs, donc ce sera un riz frit avec un petit peu de sauce soja. Qu'est-ce qu'on met dedans? Un petit peu de citron et ça ira très bien. Et ça, tout le monde mange la même chose. Alba adore ça. Mahoni, tu aimes? Voilà, tout le monde mange ça et on va accompagner ça pour Mahoni et pour moi d'une belle salade verte. Voilà. Voilà, tu mets tout pour le compost.
Super. C'est prêt, on va pouvoir passer à table. Donc le riz frit à côté avec beaucoup de citron vert, c'est vraiment la clé. Dommage, j'ai pas de coriandre parce que sinon ça aurait été trop bon de mettre plein de coriandre dessus. De la salade verte avec des graines de courge, la vinaigrette, c'est une vinaigrette très rapide avec huile d'olive, vinaigre de cidre, de l'oignon nouveau qu'il me restait du marché de la semaine dernière. J'ai plus de moutarde donc ce sera sans moutarde alors que pour moi la vinaigrette avec la moutarde c'est la base. Des petites graines de courge, donc ça c'est pour Maoni et pour moi. Et Alba, ce sera sans salade. J'attends que ma coriandre pousse dans mon petit potager d'intérieur. Et du coup, on a dedans les petites herbes. Coriandre, basilic, citron, basilic, cannelle et aneth. Et choucal, moutarde verte, cresson, ficoïde, glacial. On va pouvoir après les rempoter dans le potager directement. Et pouvoir en mettre partout sur mon riz frit. Mais en attendant, bah on attend que ça pousse. T'as mis un haricot vert, ma puce? C'est bon, ils sont où les haricots verts? Tu me montres? Ouais! Compote pomme-poire et un petit suisse, ma puce. Et moi c'est pareil, le même dessert, compote pomme-poire, alors c'est pas fait maison, hein, je l'ai acheté en bocal au magasin bio, et deux petits suisses. Voilà, dessert pratique, facile et rapide. Il est 14h30, Alba est tout dodo, Maoni est dans sa chambre et elle bouquine. Moi je vais me poser aussi, prendre ma petite tisane. C'est maman qui l'a achetée en magasin bio, elle me l'a offert. Parfait, je vais me prendre ma petite tisane. Je vais me lire mon livre du moment qui m'a été conseillé par notre chère Ellie, notre assistante, qui s'appelle La femme à la fenêtre, il me semble. Je vais lire, je pense, 15-20 minutes et puis après je vais monter au bureau pour travailler un peu avant le réveil de ma petite tornade et avant de prendre le petit goûter. Et ensuite à 17h, c'est danse avec Morgane qui nous a rejoint pour la partie un peu sport, danse, bar, voilà, sur notre plateforme Intention. Donc aujourd'hui, c'est à 17h, 30 minutes de bar. Donc je vais y aller. Marisa aussi, elle m'a dit qu'elle avait envie de faire la séance avec tout le monde. Donc on va s'y rejoindre tout à l'heure. Donc là, une petite détente, une petite relaxation s'impose et je pense que je pourrais m'endormir. Mais je ne dormirai pas. Je ne dormirai pas. Je vais bouquiner, me détendre, travailler. Et ensuite, faire ma séance. Voilà. Bon, Alba dort encore. Il est 16h45 pourtant. Donc, je lui ai préparé rapidement un petit goûter. C'est donc une demi-banane que j'ai recouvert de pâte à tartiner, comme d'habitude, de Louarnais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette pâte à tartiner. Et Alba aussi. J'ai mis après un petit peu dessus du pollen. Mais là, c'est plus parce que
c'est joli, quoi. Ça ramène un petit peu de couleur. J'ai toujours à cœur de faire des plats qui sont quand même jolis visuellement, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma fille, que ce soit pour Mathieu, pour que ce soit pour ma belle-fille, pour tout le monde. Je trouve que c'est toujours plus agréable de passer à table avec quelque chose de beau à manger. Et j'ai mis quelques amandes effilées aussi. Et comme là, ma séance de sport va bientôt commencer, je vais juste lui en piquer un morceau pour moi aussi, parce que je commence à avoir une petite fringale. Donc je vais lui prendre un petit morceau, elle ne le saura pas, vous ne lui direz pas. Hop, comme ça, elle pensera qu'elle a trois morceaux. Et voilà, ni vu ni connu. Et on va juste attendre que tout le monde se connecte au fur et à mesure, avant que je me présente, parce qu'il y en a qui ne m'ont jamais vu, je pense. Il y a des têtes déjà que je reconnais de la dernière fois. On fait des pauses quand on veut, on écoute son corps. Si on sent qu'on a envie d'aller plus loin, on va plus loin. Si on sent que notre corps il a besoin de repos, on prend du repos. Main sur le sol, une jambe derrière, puis l'autre, planche, option sur les genoux et sur les avant-bras si on souhaite. Ici, on va presser sur la pointe de son pied pour venir juste se balancer d'avant en arrière. Très bien. Si vous avez mal au poignet, sur les avant-bras, ça marche très bien. Activez l'index et le pouce dans le sol. Yes. Venez fixer votre chien tête en bas. On va ramener les pieds entre les mains en marchant à un pas après l'autre. On y va. Et on crochette les pieds. Chien tête en bas. Yes. Il est 7h10, donc c'est l'heure de préparer le dîner. Alors, je vais faire avec tout ce que j'ai à la maison. J'ai deux pommes de terre, enfin j'en ai trois, celles-là aussi, en mourance, mais je pense que je vais faire plutôt ces deux-là. Elles sont très grosses, donc je pense que ça suffira pour trois mangeurs, bon mangeur, et Alba qui en mangera un petit peu. Là, elle est en train de cuire du chou-fleur à la vapeur, comme d'habitude, dans ma casserole, un fond d'eau, la marguerite. Le chou-fleur dedans et je laisse cuire à la vapeur tranquillement. Comme ça je vais faire un gratin de chou-fleur. Ça chez nous c'est limite toutes les semaines le gratin de chou-fleur. D'habitude je fais un gratin de chou-fleur pommes de terre avec une salade verte à côté. C'est ce que je fais au quotidien. Je pense que ouais, une fois par semaine il y a un gratin. Le jeudi soir c'est souvent un gratin, gratin de chou-fleur, qui est très souvent le cas. Gratin de brocoli. Ouais, je pense que c'est les deux phares en général. Et là pour changer je me suis dit plutôt faire un gratin de pommes de terre chou-fleur. Je vais faire un gratin de chou-fleur avec des pommes de terre au four style un petit peu frites pour changer un petit peu. Et avec, il reste des betteraves, il reste des carottes, il reste de la salade. Donc on va faire une espèce de salade composée avec un petit peu de comté à l'intérieur. Et ce sera un repas parfait et très rapide à préparer en plus puisque tout va au four. On n'en parle plus. C'est parti, on va couper ça. I see the skyline where dreams come alive. Don't need you by my side. Gonna hit the city with my ride or die. My heart was broken, shattered like glass. Believe that we were made to last. Les frites sont donc au four à 180 degrés pendant environ 30-40 minutes. Et là, je vais préparer du coup la béchamel. Le chou-fleur est cuit, c'est nickel. Dans une casserole, j'ai mis 2 cuillères à soupe de maïzena. J'ai mon lait juste là que je vais verser pour faire ma petite béchamel. Donc je vais verser un petit peu d'abord pour délayer les 2 cuillères à soupe de maïzena. Pour pas que ça puisse faire de grumeaux. De toute façon, vous connaissez cette recette hein, par cœur limite. Parce que là, je ne me suis pas cassé la tête. Quasiment toutes les recettes qu'on a mangées aujourd'hui sont dans nos e-books. Hein. Donc le smoothie dans l'e-book de 50 recettes saines. Ce midi, c'est dans l'e-book d'été. Et le gratin, il me semble que c'est dans le e-book de... d'automne. Donc voilà, moi... Quand j'ai pas trop d'inspiration, je vais dans nos e-books, c'est pratique. Donc là, tout est délayé, c'est parfait. Je vais pouvoir verser les 400 ml de lait, allumer le feu à feu doux et remuer jusqu'à ce qu'on obtienne une béchamel. Donc voilà, en 3 minutes, la béchamel est super crémeuse, comme je l'aime. Donc moi, je la laisse crémeuse, onctueuse, un chouïa liquide, parce que moi, j'aime quand les gratins sont, je sais pas... très très onctueux.
Mais après, on peut aller un peu plus loin et avoir un truc un peu plus compact. Mais moi, j'aime pas trop. Là, je vais mettre de la muscade, une bonne pincée, du sel et du poivre. Et voilà, plus qu'à enfourner. Donc là, je le mets au grill environ 20 minutes. Enfin, je le sors dès que ça grille, quoi. Tout simplement, dès que c'est bien doré, je le sortirai du four. C'est bon le chou-fleur? Oui, c'est le chou-fleur. Et ça, c'est les frites, les pommes de terre. Les graines de courge. C'est bon les graines de courge. La brebis. Là. Elle est là. Elle est là, la brebis. Je vous reprends le lendemain matin. Je devais vous montrer mon petit dessert. Donc c'était un carré de chocolat noir avec une infusion. Et puis Alba est allée se coucher tard. Je suis montée avec elle pour l'endormir. Et je ne suis jamais redescendue puisque je me suis endormie avec elle. Voilà, donc je n'ai pas eu mon petit dessert. Maoni, elle, a pris un carré de chocolat. Vous avez vu, Alba, elle a pris uniquement un demi-yaourt, elle n'a pas tout fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste préciser qu'il ne faut pas oublier que ce type de vidéo, une journée dans mon assiette, une journée dans notre assiette, what I eat in a day ou choses de ce style, sont des vidéos pour vous donner de l'inspiration, des idées recettes, des idées de composition d'assiettes, mais ce n'est en aucun cas un exemple de modèle alimentaire à suivre à la lettre, puisque l'équilibre alimentaire, c'est pas sur une seule journée, c'est sur la semaine, c'est sur le mois, c'est sur l'année. Donc ce que je mange, ce que ma famille mange dans une journée, dans une assiette comme là hier, ça ne représente pas tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, tous les jours de l'année. Bien évidemment, il y a des jours avec de la viande, il y a des jours où il n'y en a pas. Des jours avec du gluten, parfois, bah, il n'y en a pas. Des jours avec un peu moins de légumes que d'habitude. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais on pourrait pas s'amuser à filmer une journée dans notre assiette 365 jours dans l'année. Donc on vous donne des petites idées comme ça, des petites astuces, des petites idées, des inspirations tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'on mange la même chose tous les jours et que c'est un modèle exemplaire qu'il faut suivre. Voilà, je trouve que c'était important de le préciser. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. I still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too.